Donc je vous propose qu'on entame une petite session de débat. Alors, on ne voit pas grand-chose, donc il va falloir nous aider. Donc il y a des micros qui circulent. Et je vois des mains qui se lèvent. Oui, je suis là. François Thomas, je suis de la Nièvre, un petit peu loin du littoral. J'ai une remarque par rapport à l'approche qui est faite pour chiffrer le coût des algues vertes par le seul ramassage, qui est tronqué, hein, qui peut amener à une vision qui est, à mon avis, insuffisante, puisque l'excès d'azote dans la rivière, c'est pas uniquement les algues vertes, c'est un déséquilibre de la faune aquatique, c'est aussi une image par rapport à la commune du littoral qui est très abîmée. Donc je pense que le coût va beaucoup plus loin que cette seule vision du ramassage des algues vertes. Et ma deuxième remarque, c'est une expérience personnelle par rapport au fait de dire, tiens, le préventif coûte moins cher que le curatif. Ça aussi, c'est tronqué. On a l'exemple sur les bassins d'alimentation de captage. Quand on travaille sur un captage qui produit 10 000 mètres cubes, enfin, même 1 000 mètres cubes par jour, il n'y a pas de souci, le préventif coûte moins cher. Quand on travaille sur des petits captages où on produit 10 mètres cubes par jour, le curatif, enfin voilà, cette approche-là, le curatif coûte beaucoup plus cher coûte beaucoup moins cher par contre que le préventif. Et ma dernière remarque, c'est le fait de penser que tout s'achète. Quel est le coût, par exemple, de la disparition d'une insecte sur un bassin versant qui est lié à une dégradation. Cette approche-là peut amener aussi à des approches qui ne sont pas forcément celles que dans le sens où on voudrait aller pour la poursuite, pour conserver des bons écosystèmes partout. Voilà mes remarques. Et... Merci. Je vous propose qu'on prenne deux, trois interventions et qu'on fasse une réponse groupée. Philippe Noyau, je suis agriculteur et donc je représente les agriculteurs pour le bassin. À l'origine, cette étude elle a été demandée par les usagers économiques, donc les industriels et puis l'agriculture. Et la commande initiale était sur les conséquences économiques des dispositifs d'usage, donc du schéma départemental d'aménagement et de gestion des eaux. Alors, les 34 fiches ne répondent pas directement à cette question. Ce qu'on souhaite, c'est qu'elles servent quand même à aller jusqu'au bout et à évaluer l'impact économique des dispositifs. Deuxième chose, on peut s'accuser les uns aux autres, mais on est tous responsables du plus et du moins sur la qualité des eaux et sur la quantité. Et les efforts sont à faire ensemble et pas les uns contre les autres. Et qu'on est bien en train... ce qu'on recherche, c'est concilier en même temps l'économie, l'environnement et le social, la vie. Et mon troisième point, c'est qu'en France, on est tous conscients, tous les acteurs sont conscients qu'il faut encore faire des efforts, qu'on a encore des efforts à faire, qu'il y en a beaucoup de faits sur les algues vertes. Entre autres, on a résolu beaucoup de problèmes et on en a encore résolu, je suis conscient. Mais on avance bien. Et que la plupart d'entre nous, on achète des produits alimentaires ou autres qui sont produits dans des conditions lamentables, qui contribuent à la pollution et à la dégradation des milieux, encore bien plus, et souvent avec des conséquences qui sont irréversibles dans ces pays-là. Et donc, on achète tous ces produits-là, en direct ou indirect, on le sait pas, on le sait ou on ne le sait pas, mais on est bien tous conscients. Ce que je souhaite, c'est qu'on avance tous ensemble. Hop.
Catherine Tricul, je suis d'un lycée agricole, donc je vais aller un petit peu dans le même sens que le témoignage de monsieur. Moi, je m'interroge sur certaines activités agricoles intensives, dont on ne sait peut-être pas mesurer exactement, précisément le coût, mais on sait qu'il y en a un. Et il y a des alternatives. Par exemple, on était parti sur une politique ambitieuse d'agroécologie et on peut s'interroger sur ce que va donner l'arrêt du bio, des aides au maintien de l'agriculture biologique. Et est-ce que là, on ne joue pas un peu avec le feu, hein, avant d'avoir mesuré effectivement le coût de certaines activités agricoles, on se coupe un petit peu des possibilités alternatives. C'est plus une remarque qu'une question. J'y vais. Gilles Deguay pour la Cépande. Je suis très, très surpris, enfin, ça ne m'étonne pas trop, mais je voudrais pointer le fait que tous les intervenants insistent sur les limites, mais qu'en même temps, ils insistent sur les limites, mais sauf qu'ils développent quand même les mesures qui vont avec. Je vais juste prendre la première intervention. Vous distinguez, à mon avis, absolument à juste titre, ce que vous appelez les dépenses compensatoires et les effets induits, les effets globaux. Évidemment que la dépense compensatoire, ça suppose d'abord que l'atteinte ait été faite, et ça suppose ensuite qu'on est bien sur un élément monétaire. Vous avez absolument raison de dire que ça ne résume pas l'ensemble des impacts, sauf que finalement, dans la présentation, comme c'est uniquement ça que vous comptez, vous induisez forcément l'idée qu'à un moment ou à un autre, les impacts, ça soit ça. Et je voudrais revenir sur le dernier intervenant. Vous avez quand même prononcé une phrase qui est « la nature nous aide à mieux réguler ». Je trouve que c'est gonflé, sachant qu'on passe son temps à perturber précisément les équilibres et les régulations naturelles, et que ce n'est pas vraiment la nature qui nous aide à mieux réguler, mais peut-être qu'on ferait mieux, nous, de comprendre comment la nature régule et d'intervenir dessus. Merci. On va prendre une dernière intervention, et puis je vais laisser les intervenants répondre. Donc, juste là. Merci. Tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que je suis levé depuis 4h du matin pour venir ici et j'ai dû dormir. J'ai dû dormir pendant le petit film de présentation pour la raison simple. D'abord, je me présente, Dominique Blaise, Union française d'électricité, membre du comité de bassin. J'ai dû dormir parce qu'il ne m'a pas semblé dans ce petit film voir un représentant des travaux publics, du monde des travaux d'infrastructure. Je n'ai pas vu un représentant de l'artisanat, je n'ai pas vu un représentant de l'industrie ou de l'énergie. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Ceci étant, je pense qu'on a un challenge, un véritable challenge, pour savoir quels sont d'abord les impacts socio-économiques du premier étage qui a été réalisé, qui se termine. Parce que ce premier SDAGE, en fin de compte, il n'est pas transparent d'un point de vue économique. Il y a de nombreuses filières qui sont impactées. Ceci étant, avec, on peut le remarquer sur la présentation de M. Lagumier, des impacts qui sont tellement complexes qu'on ne peut pas tous les quantifier. Ceci étant, depuis 50 ans, on a une politique de l'eau. Elle a eu un impact bénéfique, puisqu'on a dépensé en France environ une centaine de milliards d'euros. Et c'est 100 milliards d'euros environ se sont dissipés dans l'économie, à tous les niveaux. Le paysan, ou le conducteur du tracteur qui a ramassé les herbes, les algues vertes, et certainement qu'on a oublié de dire, il a un coût de l'heure, bien sûr, mais on a oublié de dire qu'il a consommé, il a fait vivre une petite famille avec son salaire. Que le marchand de tracteurs, il a travaillé au travers de la vente de son tracteur. Donc c'est tellement complexe, le monde de l'économie et toutes ses imbrications, qu'il est peut-être difficile de savoir quels sont les tenants et aboutissants. Ceci étant, il y a une chose qui est certaine. Au final, c'est le contribuable qui paye. Mais pire, c'est l'homme qui paye au travers des problèmes de santé ou des problèmes de chômage. Donc on a en France perdu en 20 ans 1 500 000 emplois industriels. Et il faut bien se dire que d'une façon ou d'une autre, les coûts
que génère la politique de l'eau au niveau industriel, ce sont des petites pertes de compétitivité. Il en est de même certainement dans le domaine de l'agriculture. On était la première puissance agricole européenne, on a été détrôné. Ceci étant donc, on a des impacts prégnants à tous les niveaux, et la politique de l'eau telle qu'on doit la mener, il faut faire extrêmement attention. Et je pense qu'il est un peu dommage qu'on ne fasse pas plus confiance aux acteurs économiques pour trouver les solutions qui seront certainement les plus adaptées et à leur portée financière. Donc c'est pour cette raison que je pense qu'au niveau de la Chambre de commerce du bassin, on essaiera de faire une contribution complémentaire sur un certain nombre d'impacts qui ne sont pas révélés ou dans cette étude. En tout cas, je n'ai pas retrouvé les fiches Actéon, les 34 fiches, depuis 2-3 jours sur le site Internet. Je crois qu'elles ont été retirées. Et je n'ai pas pu actualiser mes 34 fiches et j'en suis désolé. Je vous remercie. Je vous propose qu'on réponde, qu'on prenne 10 minutes pour répondre, pour ne pas prendre trop de retard. L'avantage, c'est qu'on a le forum cet après-midi. Donc ça, c'est, voilà, on l'a vraiment mis en place pour pouvoir répondre à toutes les questions. Et moi, ce que je trouve intéressant dans les questions qui ont été posées, je pense qu'il y a des questions, puis il y a des réponses qui ont été apportées. D'un côté, on va nous dire, c'est, je pense, assez systématique dans les débats en matière économie, c'est ça qui est intéressant. On ne va pas assez loin dans l'estimation, il vous manque des choses. D'un autre côté, on va vous dire, il ne faut pas monétariser, il ne faut pas évaluer. Et je pense qu'il faut rappeler effectivement que l'économie, c'est un outil d'aide à la décision et pas plus. Ça va nous aider, ça va éclairer le processus. Et c'est voilà, la conclusion qui avait été présentée par Pierre en ce sens-là. Je fais juste un petit point sur l'étude en tant que telle et puis après je laisserai les différents intervenants répondre. Donc l'ensemble des fiches sont disponibles, elles ont été mises en ligne ce matin pour vous les présenter cet après-midi pendant le forum. Et effectivement sur le site avec lequel les personnes ont travaillé sur l'étude, on a les versions qui ont été mises au fur et à mesure sur le site. Et pour la petite vidéo, c'est qu'une partie de l'extrait, on ne peut pas vous faire voir l'ensemble de la vidéo. Et elle est également disponible au forum, elle passera en boucle, donc n'hésitez pas à aller au niveau du forum. Voilà, je laisse, je pense, Julien, je pense qu'il y a quelques questions qui te concernaient. Merci. Je vais aller dans le sens de Stéphanie pour répondre déjà à une première remarque sur, encore une fois, Bernard Chevassieu l'a rappelé, il y a quelquefois une confusion entre évaluation, monétarisation et marchandisation. Et l'économiste, quand il évalue ou quand il, dans le meilleur des cas, parfois, quand il a des méthodes et des données, monétarise, il ne va pas forcément jusqu'à la marchandisation. Déjà, il n'en a pas le pouvoir. Et il ne peut pas édicter des droits de propriété. Éventuellement, il peut suggérer, s'il trouve que c'est pertinent, de mettre en place des marchés, mais ce n'est pas la majorité des économistes. En général, quand même, je travaille à l'Agence française pour la biodiversité, donc je vais plutôt militer pour la préservation de la biodiversité, avoir un usage plutôt stratégique de l'évaluation économique pour essayer de porter et de soutenir la politique de préservation de la biodiversité. On peut utiliser les services écosystémiques, on peut utiliser des notions, des évaluations, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la préservation de l'eau et des milieux aquatiques et de la biodiversité. Il y a plein d'autres raisons, des raisons déontologiques qui nous permettent et qui doivent nous porter à préserver la biodiversité. Donc ça va me permettre de répondre à la question du préventif et du curatif. En effet, peut-être que sur certains petits captages, le curatif coûte moins cher. Mais est-ce une raison pour porter cette solution? Pas forcément. Si on se place dans une optique de durabilité forte, c'est-à-dire de se dire on ne veut pas substituer de la nature par du capital artificiel, par des machines, parce qu'on doit préserver notre capital naturel qui de toute façon a une valeur inestimable que l'on peut éventuellement estimer, ben, je pense qu'on peut quand même porter le préventif. Ça ne veut pas dire que d'avoir des notions de coût qui vont mettre en lumière que parfois, dans certaines situations, éventuellement, le curatif coûte moins cher, peut être intéressante, mais ce n'est pas pour ça qu'il faudra absolument défendre cette idée. Sur la question des coûts des ramassages d'algues vertes, là aussi, c'est une estimation très basse, on s'est limité à quelques types de coûts, les ramassages et le traitement, mais il y a plein de coûts induits ou d'autres coûts qui sont plus difficilement monétarisables parce qu'il va falloir aller enquêter auprès des populations, il va falloir aller enquêter auprès de toutes les activités économiques qui peuvent être impactées. Et comme l'a rappelé Antoine, l'évaluation, ça coûte cher. Ça coûte cher de lancer une évaluation et puis...
faut être honnête, il n'y a pas énormément d'économistes qui travaillent sur les questions d'environnement. Il y en a, hein, mais pas forcément énormément. Les actions économiques ne sont pas forcément prioritaires. En tout cas, je vais parler au sein de mon agence, même s'il y en a. Et donc, on fait avec ce qu'on peut et ce qu'on a. Et qu'une grosse partie, c'est ça aussi, des bénéfices et des coûts, reste quand même cachée, relativement invisible. Et ce que tentent de faire en général les économistes, c'est de les rendre un peu visibles, éventuellement, pour faire en sorte que les gens prennent conscience de la valeur de ce qu'ils sont en train de gaspiller ou de détruire. Et je pense que c'est quand même assez important dans la politique de l'eau ou de la biodiversité de mettre en visibilité tout ça. Merci Julien. Moi je voudrais revenir sur cette question des algues vertes avec la remarque que vous avez faite parce qu'elle elle se recroise aussi avec l'insistance de certains par rapport à la notion d'impact des politiques de l'eau sur les secteurs d'activité. Il me semble que sur ces choses-là, on avancera progressivement et que, notamment par des débats comme ça, on peut être amené à prendre en compte que ce qui avait été intégré, c'est bien, mais qu'il n'y a pas que ça. Et que l'autre, peut-être, pèsera d'ailleurs plus lourd. Donc là, sur les algues vertes, on a finalement le coût ramassage-traitement, c'est ce que j'appelle le coût direct. Et puis, il y a des coûts induits. Et donc, c'est a priori, il va falloir, si on veut avoir une vraie réflexion sur ces questions-là, il faut les prendre en compte. OK. Donc, ça permet d'avancer. Et je pense que la question d'impact du SDH sur les activités économiques, c'est aussi du même ordre. C'est-à-dire qu'il y a obligatoirement un processus pour arriver petit à petit à quelque chose qui soit à peu près complet et réaliste, même si je ne me fais pas d'illusions, c'est tellement complexe que ça ne sera jamais parfait. Je vais juste revenir sur la question. Mais c'est plus pour renforcer ce que disait Julien sur l'histoire de la valeur de la valeur monétaire. Je crois que c'était assez clair dans l'introduction par notre grand témoin de dire oui, tout s'achète, non. Tout a une valeur, oui. Et quand je dis tout a une valeur, je ne le dis pas en tant qu'économiste, je le dis tout a une valeur pour nous, personnes qui vivons, qui utilisons l'eau, qui utilisons les milieux aquatiques. Et cette valeur, je peux l'exprimer émotionnellement ou je peux dire « Ah, c'est beau, j'aime, ça c'est déjà important ». Je peux dire « Bah tiens, on est 10 000 à aimer ça ». C'est important aussi, du coup, de quantifier un petit peu. Et puis, de temps en temps, on peut mettre de l'euro, on peut rajouter un élément, j'allais dire, une unité qu'on peut comparer à d'autres choses, avec toute la délicatesse à avoir dans ces comparaisons. Et par contre, ce qui est important derrière les cadres services, par exemple, c'est d'assurer qu'on explicite systématiquement ces valeurs, qu'on les mette sur la table et qu'on les partage, qu'on en discute, puis ensuite, certaines personnes prennent des décisions. Et je le lis un petit peu à la réaction également sur les services fournis par les zones humides, du stockage de carbone par exemple. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit la personne. Ce que j'ai montré, c'était qu'une petite partie de la relation nature-homme, j'ai une rivière, elle me bénéficie. Il y a toute une autre partie de la relation homme-nature que je n'ai pas regardée. Il y a effectivement des activités humaines qui polluent, qui mettent des pressions, et on peut se poser la question, sans forcément que ce soit du curatif préventif tel qu'on le mentionnait, de dire est-ce qu'il vaut mieux pas que j'arrête de produire un peu de carbone plutôt que de me poser la question de le stocker par ailleurs. Mais bon, c'était juste pour dire, moi j'ai regardé une petite partie de cette relation qui semble importante quand même à regarder. Et puis il y avait un petit point dont parlait Philippe Noyau sur... on est tous responsables des plus et des moins. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord aussi de dire que les plus et des moins, il y a de l'environnement, de l'économique, et puis du social. Alors là, peut-être qu'on commence à se dire, ah tiens, et du social, peut-être que c'est une dimension qu'on n'a pas suffisamment regardée jusque-là.
C'est vrai qu'on a l'habitude d'analyse coût-bénéfice, qu'on a l'habitude de dire en quoi ça impacte le bon état écologique et en quoi ça impacte certaines parties de la société, certaines populations plus vulnérables qui ont accès ou non au fait de se baigner, etc. Peut-être ça demande un peu plus d'attention dans nos analyses. Et plus généralement, c'est vrai que, comme le soulignait Antoine, on fait beaucoup d'évaluations ex ante. On va faire un projet et puis donc on essaye d'imaginer les plus et les moins. On essaye de mettre des euros et on essaye de se dire c'est bien, c'est pas bien. Souvent avec des cadres analyse coût-bénéfice. Et dans ce travail de préparation, peut-être qu'on ne travaille pas assez. Ça, c'est un élément qui pour nous semble important sur l'économie d'une autre manière, qui est l'économie pour le territoire et la manière dont nos interventions vont impacter les acteurs du territoire. Alors, ce ne sera pas forcément des coûts et des bénéfices de la même manière, mais ce sera mieux comprendre cette articulation. Et ça, ça nous semble être un élément essentiel pour réfléchir à la politique de l'eau. Et le deuxième point, c'est très rare que les économistes viennent après et qu'ils se disent « mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ?» On le fait sur la partie milieu, on va suivre très finement tel paramètre quelque part, et on fait très rarement des retours d'expérience pour se dire « mais voilà finalement dans une réalité ce qu'ont été les coûts. » Là, on le fait un petit peu sur les coûts d'investissement, parce qu'il y a de la subvention publique, il y a de l'évaluation de politique publique, mais on le fait très rarement sur et en quoi ça a impacté les usages, l'économie réelle, les activités, les personnes. Donc peut-être à nous de changer notre manière de faire sur ce domaine.